Il est rose. Quoi? Viens voir, il est de retour. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu nous veux? J'en ai pas fini avec vous. À tout de suite. Oh non. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais c'est une blague là, qu'est-ce qui se passe? Il est parti. Ah, je n'arrête pas de nous embêter, ça devient insupportable. Bon, salut à tous les amis, aujourd'hui on se re... Mais pardi, c'est tout de suite. Ah, bouge. Oh. Ah bon, attends, je ferme la porte à clé. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui. Là c'est bientôt Noël, bah quand on fait la vidéo c'est dans 2 jours. Ouais. Enfin c'est même demain pour ceux qui le font le 24. Et là les lutins farceurs, on n'en peut plus. Ils viennent de plus en plus. Avant ils faisaient plein de bêtises chez nous la nuit. On a fait une vidéo, même 2 vidéos sur le sujet. Et là maintenant ils viennent la journée. Bon vas-y, on va leur raconter ce qu'ils ont fait. Ouais. Alors c'est une catastrophe. On a retrouvé ce matin un lutin farceur dans le tiroir de Lily Rose. Donc il était là comme ça, il était dans le tiroir. Et cette nuit il en a profité pour prendre des ciseaux. Et il a fait plein de trous dans mes habits. Vas-y bah on va pas montrer les vêtements parce que on les a donnés à notre mère pour qu'elle fasse des coutures. Ouais. Parce que il y avait plein de trous, la moitié des vêtements de Lily Rose étaient troués. Et là regardez le sapin. Ça je ne... Alors là je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce sapin hier on l'a décoré. Ouais. On l'a décoré. Et là, quand Lily Rose s'est réveillée, il n'y avait plus de décoration. Mais que des photos d'Angers. Mais il n'y avait que des photos d'un magazine. Donc il a découpé un magazine ouais. pour mettre toutes les photos sur le sapin. Ouais. C'est n'importe... Non, il essaie de rentrer ou quoi? Ah non, c'est toi. C'est lequel d'entre vous qui a remplacé le sel à la place du sucre? Quoi? J'ai voulu mettre du sel dans les pommes de terre et finalement c'était du sucre. C'est pas marrant, Lily. C'est pas moi. C'est toi. C'est pas possible. Ils ont dû faire plein de bêtises en bas. Bon, les amis, comme je vous ai dit, on n'est pas au bout de nos surprises. Les lutins farceurs, ils arrêtent pas de faire des trucs. C'est vrai que dans notre cuisine, ils ont remplacé le sel par du sucre. Ils ont mis du poivre partout. Ils ont mis du piment sur tous nos fromages. Le sapin? Non. C'est une blague? Regardez votre sapin. Il est démoli. Il est détruit. C'est une blague? Non. Non mais attends, on a mis 2 heures à le faire pour qu'au final ils le détruisent. C'est une blague. Bon là les amis, c'est une catastrophe. Demain il y a toute notre famille qui vient pour Noël. Hier on a fait un sapin géant qui était là comme ça, ici. Et regardez, tout est par terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, même le chat, normalement, ici. Ah non, bah le chat, il s'amuse dans le sapin. Regardez, toutes les décorations, elles sont par terre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Oh, attends, viens, on va... Non, mais viens Lily Rose. Okay, comment? J'entends du bruit en bas. Ouais, bah j'espère qu'il y a rien... J'espère qu'il y a rien de cassé en bas. Oh, franchement, c'est n'importe quoi. Bon, là, les amis, le pire, c'est que... Habituellement, les lutins farceurs, ils font des petites blagues, c'est pour rigoler, tout ça. Sauf que chez nous, ça tourne vraiment au cauchemar. Ils détruisent tout sur leur passage. Vas-y, raconte ce qu'ils t'ont fait hier aussi. Bah, hier, ils sont venus dans ma chambre. Heureusement, enfin, j'étais en train de dormir. Et du coup, quand ils ont voulu trouer mes habits, bah, ils ont aussi essayé de couper mes cheveux avec les mêmes ciseaux. Et heureusement, je me suis réveillée à temps. Ça, c'était le pire truc pour les Lily Rose. Ouais. Hier, ils ont essayé de couper ses cheveux. Donc, avec des ciseaux XXL, ouais. Il y avait combien de lutins farceurs? Pff, il y en avait au moins 5 cette fois. 5 lutins farceurs, elle avait des couettes comme ça. Ils ont essayé de couper ouais. les couettes carrément. Donc franchement ils veulent vraiment nous gâcher la fête quoi. Ouais. Et j'ai très peur parce que demain comme je vous ai dit c'est Noël. Donc il y a toute notre famille qui vient. Et les lutins farceurs en fait j'ai super peur que pendant le repas ils commencent à essayer de couper les cheveux des gens. Ils commencent à mettre du piment dans la nourriture pour piquer tout. Ah. Attends c'est quoi ça? Je sais pas. C'est bizarre, t'es malade? Je me sens pas bien. Attends mais t'as l'air bizarre là. Attends, je sais pas si on voit la caméra, mais il y a plein de petits boutons sur elle. Lily Rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Hé, mais qu'est-ce que tu veux? Non. Mais c'est quoi ça? Je vais rendre Lily Rose malade. Vous n'allez pas fêter Noël? C'est pas possible. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont vidé la poubelle par terre comme ça. Bêtise sur bêtise, là notre maison est infestée. Oh non, je sais plus quoi faire. Bah regarde. Oh là là là. Regarde. Oh.
Toute la poubelle, ils l'ont jeté par terre. Non, mais c'est pas possible, il faut le capturer et puis le jeter, Stéphane. Il faut faire comme hier. Lily Rose, elle est où? Pour ceux qui n'ont pas vu, on a sorti une vidéo sur Pink Lily Vidéo où on a fait un prank story, on a piégé les lutins farceurs. Donc allez le voir si c'est pas fait. On les a piégés, on a réussi à en piéger deux. On les a enfermés dans le garage, sauf que le souci c'est qu'ils sont beaucoup plus que deux, ils sont très nombreux chez nous. Donc je sais pas comment on va faire. Vas-y, comment on fait? Ça va, Lily Rose? Ouais. Ah non, mais c'est le lutin farceur qui t'a jeté un sort. Ouais. Il veut que tu sois malade pour Noël. Mais on fait comment? Je sais pas. Vas-y, on essaie de le piéger, viens. On fait un plan. Allez! C'est bien! Quoi? Lily Rose, réveille-toi là! Oui, oui! C'est le moment de les piéger, sinon ils vont gâcher la fête demain. Quoi? On peut l'attraper, viens, regarde, viens voir. Il est tout seul assis sur la table. Regarde, là. Il est assis sur la table. Attends, vas-y, va prendre la poubelle qui est dans le shop. Va prendre la poubelle, on va l'enfermer. Voilà, ouais. Ouais, on va l'enfermer dans la poubelle. Dépêche-toi. Allez, vite, dépêche-toi. C'est bon, il va partir. Vite. Tu le fasses ou tu le fais, Lily Rose? Vite. Non, il faut faire semblant de rien. Il faut faire semblant qu'on va lui parler. Allez, les amis, c'est parti. Ah, bah, ça va? Oh, lutin farceur, s'il te plaît. On en a marre de toi. Arrête-nous. Vas-y. Allez, alors, on bat les pieds. Mes pieds! Ça y est, on l'a eu! Attends. Mes pieds! Vite, rentre, c'est là! Il m'a passé! Attends, voilà, comment on fait alors? Bah, on laisse ici, on laisse ici! Alors! Non! Il m'a donné un coup de. Oh non, c'est bon! C'est chaud! Non, arrête! Il s'enfuit! Il me contrôle! Elle me contrôle! Allez, non! Qu'est-ce qu'il fait? Je veux retourner ici! Non, lâchez-moi! Lâchez-moi! T'as rien à faire ici! Pourquoi? S'il te plaît, on en a vraiment marre de toi! Est-ce que tu peux partir? Je t'en supplie! Lily Rose, on a marre d'être malade! On en a marre de tout ce que vous faites! Nous arrêterons après Noël! Mais là, on veut gâcher votre fête! On veut gâcher Noël! C'est d'accord? Dépêche-toi, je le tiens, je le jette où? Dans le garage! Comme les autres, dans le garage! Allez, on le jette! Hop là! Il y a du boucan en tout cas! Les amis, tout était dans le garage! Maintenant ils sont trois lutins farceurs dans le garage. Bah du coup il en reste encore quatre dans la maison parce qu'hier elle en a vu cinq. Ah oui, bah ils ont piégé les chats aussi. Ils ont attaché des boules de Noël sur la queue des chats. C'est incroyable. Non, ils vont tous saccager à l'intérieur, hein. T'entends pas? Bah si, ils frappent à la porte, hein. J'espère qu'ils vont pas crever les pneus de la voiture parce qu'ils sont capables de faire des bêtises comme ça. Il faut tout ranger maintenant, le sapin, ranger la poubelle. Les amis, on va refaire toutes nos décorations de Noël. Ça va être long. Dans la chambre de Lily Rose et on va refaire notre sapin parce que on a des invités demain. Voilà, le jour du réveillon. Donc il faut tout préparer, il faut que tout soit nickel. Mais là, je sais plus quoi faire. Montre tes boutons. J'en ai plein. Ah et à cause du lutin. Bon, en tout cas, les amis, peut-être qu'on refera une vidéo sur les lutins farceurs. Peut-être qu'ils vont faire plein de trucs cette nuit ou la nuit de Noël. Donc, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, activez la cloche. Oh non, regarde, il est dans la litière du chat. Oh non, dans la litière. Oh, c'est sale. Ah non, je touche pas. Je vais le caca. Bon, les amis, allez, cliquez sur une vidéo qui apparaît juste là. À la prochaine, ciao. Bye.